quoi ce match P? Est-ce qu'on se ressemble? Je sais pas si on se ressemble. On a des vieux délires, nous. Ah, nos bouteilles. Donc là aussi c'est pas bon, moi j'ai un peu peur quand même. Oh, elle va couler. Je suis pas très bien, le truc va exploser. Bon. Je suis pas... Enfin si, en fait j'ai un peu soif. On y va? Je prends le fameux colis. Are you ready? Yes. Attends, faut que je fasse un petit snap. Coucou. On a très très hâte que vous voyez ça. C'est en rapport avec Noël, comme vous pouvez le voir. Il fait vraiment chaud là, t'as pas chaud? Si, un peu. J'ai vraiment chaud. Voilà, par contre j'ai vraiment l'impression qu'on ne voit absolument pas notre déco de Noël. On adore. On a voulu faire un truc en plus, c'est stylé. Avec le petit Père Noël. Mais grave. Petit Père Noël. Petit Père Noël. Ah super, c'est ma mère qui me parle ça. J'aime pas, ça me stresse. Ah, ça me stresse, j'ai l'habitude de filmer. Arrête, je sais pas quoi faire. Hein. Quoi? Mais je fais salut. Attends, attends, faut que je baille. Ah non, j'arrive pas. Bye bye, go bon bon tom tom. Bang go bon bon tom tom tom. Bye bye, so bon bon tom tom. Bang bye, so bon bon tom tom tom. Bye bye, so bon bon tom. Coucou tout le monde, c'est Coco Liner, back sur YouTube. Aujourd'hui, on vous retrouve, Manon et moi, dans une nouvelle vidéo qui va être un peu spéciale. Manon, si vous la connaissez pas... Salut! C'est ma petite sœur, voilà. Elle est déjà apparue dans une ou deux de mes vidéos, donc c'était des vlogs, mais sinon, on l'a jamais vue face caméra. Donc voilà, on est hyper contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo vachement spéciale. Une dégustation! Ouais. Une dégustation américaine. Bon, je sais, c'est périmé, hein, je sais que plus personne fait ça, mais on avait vraiment trop envie. Ouais. Parce que voilà, on aime la bouffe, hein, tout simplement. Et ensuite on voulait faire un truc un peu spécial pour Noël. Donc il y a les trois quarts des produits en fait qu'on a sélectionnés et qui seront en rapport avec Noël. Donc on espère que vous allez aimer. Mademoiselle, je demande le colis. Il est juste là. J'ai baillé. Mais elle va me faire ça pendant toute la vidéo, ça se passe quoi? On remercie My American Market qui a été le seul site à nous proposer vraiment des produits qui étaient en stock tout simplement et qui étaient un peu en rapport avec Noël. Ouais. Sur tous les autres sites qui étaient connus ou non, en fait il y avait rien ou alors c'était pas en stock. Pourtant on en a fait beaucoup. Ouais, franchement on en a fait beaucoup. C'est bon? Ouais. Oh, punaise. J'ai cru qu'elle allait tomber. Ouais, grave, moi aussi. Ah, j'ai trop hâte! J'ai l'impression que c'est un swap, que c'est genre Noël. Bah, en même temps, c'est un peu Noël. C'est un peu voilà. Noël. Oui! Je vous jure, les gars, on dirait c'est. Mais c'est trop beau! Oh, maman, je suis trop excitée, maman! C'est horrible, ça fait super longtemps là! C'est pas ce que ça va donner. Ouais, grave. Regarde, Marie, comment ils se mouvent. C'est pas magnifique? Mais il y en a plein! Mais oui, ma fille, il y en a plein. Il y en a 13. Putain, c'est énorme. C'est trop bien. On fera goûter hein, les trucs. Grave, si tu veux. Tu, sûrement, tu peux venir. Hein. Tu peux goûter. T'as bien mis la caméra ou? Or not. Elle est pas un peu penchée? Elle est penchée? Madame est en médecine donc elle va travailler. Casse-toi, on doit bouffer. C'est pas mal. Allez, go. Juste vraiment pense à moi. J'ai besoin de cerveau pour mon. Pour. J'ai besoin de sucre. Pour mon cerveau. Donc merci, mais j'ai besoin de toutes vos merdes pour travailler. D'accord, tu vas faire tomber ce truc s'il te plaît. Allez! J'ai faim moi. J'ai pas petit déjeuner, j'ai pas mangé à midi. On mange. Allez! Putain. On essaiera de l'appeler quand on mangera le sucré. Alors, on commence par quoi? Oh, c'est trop mignon, ils nous ont mis une petite sucette. Merci. On commence par le salé hein? Ouais, on commence par le salé parce que c'est quand même mieux dans ce temps-là. Donc le premier truc qu'on a pris en salé, c'est les Pringles goût cheeseburger. Ah, donc ça, je suis pas sûre que ça existe en France. Hein. T'as déjà vu ça? Bah, j'ai déjà vu pizza ouais, une fois. Pizza maintenant, je crois que ça commence à exister en France, mais en cheeseburger, j'ai jamais en vu. Jamais vu. On va goûter. J'espère que ça va le... Oh, ça sent bon, tu vois. Ça sent vite, si regarde, ça sent vite fait le McDo. Tu sais, ça sent les. Ouais, si. Mais ça sent aussi le. Ça le sent fromage, la chips. Ouais. Alors, on commence? Ouais. Allez, je commence. T'es prête? J'ai trop peur. 1, 2, 3. Ah, si, si. Mmh, c'est vrai. Ah, mais ça sent beaucoup le fromage. Vraiment, alors, beaucoup par contre, fromage. Ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais tu sais ce que je trouve que ça sent? Tu sais ce qu'il y a dans les hamburgers là que tout le monde enlève, le sort de concombre? Ah oui, oui. Ça sent ah ça. Ah, oui. Exactement. Mais c'est pas mauvais, hein. Je vous le dis quand même pour ceux qui aiment pas les concombres. Vraiment, moi j'aime pas de ouf non plus. C'est vraiment bon, mais ça a le goût ouais, de ça. Voilà. Tu pas vite fait, ça a un goût de ça. Si, si. Non, mais arrête. Moi, franchement, ça je valide parce que c'est vraiment moi bon. Moi aussi. Ouais. Tu valides ouais. 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 Hyper bon. On vous conseille. On va prendre ça. Goldfish. Donc, ça c'est des quoi? Bah, ça c'est des chips au fromage. Multicolores, visiblement. Ça a l'air trop chou. Regardez ouais. Comme c'est mignon, c'est des petits poissons. On va l'ouvrir? Tu ouais. Veux l'ouvrir? Vas-y, je te laisse faire. Mais ça sent pas. Enfin, moi je trouve que ah ça non. Sent pas grand chose. Ça sent pas du tout le fromage. Un petit jaune. On en prend plusieurs ou pas en même temps? Non, on en prend un. On en prend un? T'as peur? Un peu. En rouge. Un. Go. Ça a pas le goût de fromage. Ça a absolument pas le goût de fromage. C'est chimique. Enfin, pas chimique. Attends, vas-y, on prend une poignée. Ouais, c'est un peu chimique. Hein. Bah alors, franchement, c'est pas mauvais, mais ça a absolument pas le goût de cheddar quoi. Non. Au début, il y a une espèce de poudre autour qui est plutôt bonne. Ouais. Mais après. Ouais, l'intérieur c'est un peu nature. Ouais, c'est ça en fait, c'est exactement ça. Le tour c'est un peu le goût de fromage, mais l'intérieur il y a rien quoi. Moi je valide pas. Ouais, moi non plus. Tu valides pas non plus que... Après, mais...
Ça c'est bon, mais on veut pas être méchante, c'est nature. Mais sincèrement, ça vaut pas énormément le coup parce qu'au final, ça a pas vraiment le goût de cheddar quoi, donc c'est pas trop ce que t'attends. C'est pas horrible, mais c'est pas fou. On va goûter la viande d'abord. Ok. On va goûter le beef jerky, donc c'est de la viande. J'en avais déjà goûté dans mon ancienne dégustation américaine, je vous la mets en barre d'infos si j'y pense, que j'avais fait avec une pote, mais j'avais pas pris celui-là, je crois que j'en avais pris genre un truc un peu épicé. Oui, autre chose tu m'as et ouais, celui-là du coup, on l'a pris l'original parce qu'on voulait vraiment goûter. Moi je sais que j'avais pas kiffé de ouf, je crois. C'était pas ouf. C'est un peu comme de la viande des grisons, tu vois ce que c'est? Ouais, ouais. Donc c'est un peu de la viande séchée, genre c'est pas ouf, mais. Est-ce que c'est élastique? Bah ouais, je crois qu'on m'a dit que c'était un peu chelou, genre en bouche, c'est un peu élastique. Ah si, ça va! Enfin, oh, ça sent fort, ouais, mais ça sent bon. Fort. Allez, si! Non, mais il faut que j'en trouve un, comme ça? Ouais. Oh, c'est dur! Mais c'est impossible à mâcher! Ah, c'est super dur! Aïe! T'as pas un truc pour cracher parce que j'aime pas. C'est trop dur, ça arrive pas à mâcher, moi. Avec ah, mais oui! Bagues. En plus, elle a un appareil dentaire. Même pas élastique, c'est super dur. Tu profites pas du goût en fait. Ah, je me disais peut-être que ça sera pas trop mal, mais en fait. Je suis désolée, hein, si vous pensez qu'on en fait trop, mais vraiment pour le coup, je sais que la dernière fois je l'ai quand même pu manger quoi. Pour moi, je crois que j'avais mangé. Ah oui, oui. Là, non. Mais là, c'est vraiment super dur. Là, je suis désolée, moi je ne valide pas. Moi non plus. On n'est pas méchante, mais ouais, sincèrement. Là. Et pourtant, moi j'adore la viande des grisons. Sachez d'ailleurs que du coup, c'est surtout le sucré en fait qui est de Noël. Pour le salé, on n'a pas vraiment trouvé des trucs en rapport avec Noël, mais sachez que c'est le sucré, donc ça va être en fait du moins bien au mieux. Genre, au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a que des trucs trop cool. Du coup, là, on finit avec quoi? Donc c'est aussi de la marque Pringles. Ouais, c'est aussi des Pringles, mais c'est comme des petits graissins. Ouais, c'est un peu comme des graissins en stick en fait. À pizza. Goût pizza. On a quand même voulu goûter, mais en fait on trouvait le format beaucoup plus intéressant que juste des Pringles en fait. Ça j'ai un peu plus confiance, tu penses pas? Ouais. Ça va être meilleur quand même. Ça sent bon ou pas? Ça sent un peu. Ah ouais, ça sent la pizza. Ah ouais, c'est vrai. La pizza jambon genre. Ouais. La pizza tu manges, parce que moi je mange pas la pizza jambon. Non, bah oui, non, si. 2, 3. Ah si, c'est bon. Ah non, moi aussi j'aime beaucoup. C'est hyper aromatisé en fait. Est-ce que ça a vraiment le goût de pizza? C'est ce que je me demande. Ah si, j'en ai pris un. Grave le goût. Moi je valide. Ouais, moi aussi je valide. C'est un peu piquant. C'est piquant, moi je crains. C'est un petit peu relevé. Voilà. Bon, on continue. Tu veux faire quoi en premier? Ça. Tic tac. Ouais, vas-y, si tu veux. On passe au sucré et cette fois du coup on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire Noël. Noël. Du coup on va goûter des Tic Tac goût sucre d'orge. Donc déjà c'est trop mignon le packaging parce qu'en fait les Tic Tac en fait ils sont colorés, il y a le petit symbole, donc c'est trop mignon. Ouais, c'est trop mignon. C'est un petit Père Noël. Alors par contre j'ai juste un peu peur que ce soit un peu survendu et finalement c'est juste le goût de sucre en fait, mais bon. La canne à sucre. Oui, voilà. Ah si, ça sent bon. Ça va, non? Ça sent un truc. Ça sent un peu chelou. J'en mange pas beaucoup moi des cannes à sucre, c'est pas mon délire. Vas-y, prends-en un peu. Prends-en genre 2-3. Vanille. Ça a le goût de menthe un peu. Oh oui, c'est fort. T'aimes pas? Si. Mais c'est fort. C'est vraiment fort. Moi j'aime pas. En fait c'est Tic Tac à la menthe. Ouais. Personnellement c'est ce que je trouve. Mais c'est ça, non? Un mélange de vanille menthe. Moi j'adore par contre. Mais en gros c'est, ouais, c'est Tic Tac menthe fraîche. Mais c'est pas vraiment fort, hein. Non. Moi j'ai pas l'habitude d'en prendre. C'est pas la folie, mais ça va. Moi je valide, mais... Tu peux ne pas valider. T'es déçu ou pas par le truc? Est-ce que tu t'attendais à mieux? Ouais, je m'attendais à mieux. Tu peux, bah valide pas. Bah je valide pas vraiment. Attends, je croquais. Moi je ne valide pas parce que t'attendais mieux de ce produit. Exactement, voilà. Moi je valide quand même parce que pour moi j'ai plus, en fait moi je me rappelle plus de la canne à sucre, c'est vrai, plutôt gourmande. J'ai pas vraiment l'habitude d'en manger à la fraise, donc moi ça me va. Oh, c'est trop mignon ça. C'est trop cute. On teste quoi maintenant? Donc c'est des marshmallow trees. Des marshmallows en forme d'arbre en fait, en forme de sa forme de sapin de Noël. De Noël. Eh oui. Merci. Bonjour. Ça ne sent absolument rien. On en prend à chacun. Ça a peut-être juste le goût d'un chamallow, hein. C'est peut-être pas ouf. Mais on voulait tester parce que ça avait l'air trop mignon. C'est ultra sucré. Après le Tic Tac, ça a pas de goût. J'adore. J'adore. C'est bon, hein. T'aimes bien? En fait, je trouve que c'est un peu moins élastique et moins collant que le chamallow. De ouf. Mais ça a le goût de chamallow. T'aimes bien? Ouais, moi j'aime beaucoup. C'est bon, hein. En plus, c'est trop mimi. Je valide. Ah, moi aussi. Sans hésitation. J'ai envie de tester ça, là, moi, les bretzels. Ah. Moi là ça m'attire beaucoup. Gros paquet. J'adore la couleur et j'adore le paquet, c'est trop mignon. On dirait un packaging de la Reine des Neiges, c'est trop mignon. Ce sont des pretzels mais goût sucre d'orge. Donc franchement ça a l'air pas mal du tout, hein. Oh, putain, alors l'odeur à chaque fois c'est ce qui définit si on pense aimer ou non, ouais. Ça veut dire que ça sent rien, hein. Meuf, ça sent les Tic Tac. Ça sent les Tic Tac que t'as pas aimé. Oh. C'est hyper bon. Ah, c'est trop bon.
C'est un peu chelou, mais franchement, en fait, il y a un peu un mélange de sucre. Mais grave, c'est trop ça. Parce qu'il y a. C'est chelou. Les bretzels normaux, mais enrobés d'un truc. Et franchement, c'est bon. On aime bien. Ça peut paraître hyper bizarre parce que c'est à la fois du salé et du sucré, mais en fait, moi, j'aime bien. Ça se marie bien, je trouve. Mais grave, je suis choquée. Je pensais vraiment que ça, j'allais pas aimer. Moi, en tout cas, je valide. Moi aussi, je valide. Franchement, c'est bon. Toi, ça, c'est ce que t'attends depuis le début. Ça, c'est le truc ultime de Manon. Écoutez, dans sa dégustation, elle voulait au moins qu'on goûte les Pop Rocks. Mais bon, on n'a pas trouvé de Noël, donc on s'est dit on va essayer de faire quand même un peu en rapport. Donc on a essayé de prendre un truc vert. Merci d'admirer l'effort, s'il vous plaît. Mais c'est quand même à la pastèque. Voilà, c'est à la pastèque. Voilà. C'est pas pour rapport avec Noël, mais on voulait tester, donc on s'est dit why not. Donc ça, la petite particularité des Pop Rocks, c'est qu'en fait, en bouche, c'est ça pétille en fait. Il y a un feu d'artifice dans ma bouche. Un feu, c'est horrible. Bon, du coup, moi, ça je valide, je trouve ça marrant, ça pétille dans la bouche, ça a un goût plutôt mignon, enfin c'est sympa, moi j'aime bien, je valide. Moi je valide, mais par contre, faut pas trop en prendre parce qu'après ça fait un peu mal à la tête. Ouais, on passe à ça là? Ouais. T'as envie? Bon, bah je crois qu'on va goûter ça, hein. C'est enfin le moment. Donc, on appelle Marie? Ouais. Marie! Mais amène Julien, c'est marrant aussi, non? Vous me laissez expliquer ce que c'est, s'il vous plaît? Bah oui. Donc, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est. Et vous savez le truc de Barba Papa là qui existe de plein de couleurs, je l'avais déjà goûté. Bah là en gros c'est sous forme de boule de neige. Rien que là. Passe par là. Fais bien tomber la caméra. Vas-y. T'as fait niquer le truc. Ouais, t'as fait niquer le truc. Tu sais qu'on fait tout en place, c'est sûr que ça va même pas être bon en fait. Mais si. On goûte? Vous voulez goûter? Ouais. Ah, on dirait du coton. La barbe de Papa. Bah c'est ça en fait. Du coton. On goûte chacun notre tour. Attends, on goûte en même temps. Tu m'as dit c'était du fluff. C'est ce qui est marqué. Putain, j'ai peur. Ouais, mais c'est pas comme ça le fluff. Bah ouais. Écoute, c'est ce que je t'avais dit. C'est, on dirait de la. Tiens. On dirait. Comment ça s'appelle? Ah oui, de la barbe à papa, mais dure. Ouais, ouais c'est non, c'est hyper gênant. Tu goûtes? Bien. Ah bon? Ah oui, l'as déjà goûté. T'aimes bien? Ouais, ça va. Oh. Ah mais ouais! Je vous avais dit, c'est la barbe à papa. Le barbe à papa. Pour que ça tienne comme ça, comme c'est chimique, tout ce que c'est hyper chimique, c'est plutôt chimique. Par contre, ça sent vraiment le sucre. Julien, tu valides? Ouais, je valide. Il valide. Moi, je valide aussi, vous aussi? Ouais. Ouais, mais un peu trop sucré. Ouais, c'est vrai. Trop chimique, trop chimique. Ouais. Ah, vous voulez goûter les Pop Rocks? C'est quoi? Comment là les Pop Rocks? Pop Rocks. Ouais mais excuse-nous, c'est le truc qui pique là. Goûte, ouais. Toujours, c'est hyper marrant. C'est ce que m'a dit Manon, elle m'a dit ça fait mal à la tête. Ouais, ça fait mal à la tête au bout d'un moment. Ah, ouais. Quand t'en prends beaucoup beaucoup. Moi je suis hyper fragile de ce. Bah tu vois quand t'en prends beaucoup. Non, beaucoup. Mais voilà, ouais, je... Allez Marie. Mais attends, faut faire quoi là? T'aimes bien? T'aimes pas? C'est hyper gênant. Pardon. Tu valides ou pas? Je l'ai pas. Il valide pas. Il valide pas. Julien ne valide pas. C'est que c'est hyper gênant de manger des trucs comme ça. Ça c'est un peu chelou mais franchement je pense que tu vas pas aimer mais essaye. Julien, tu veux goûter un chips au hamburger? Moi je veux goûter par contre. En fait vous êtes venus pour tout manger, c'est ça? Moi je veux goûter un chips au hamburger. Ah c'est bizarre mais c'est pas bon. Au hamburger jus, ils sont bons ou pas? Ils sont bons? Moi j'adore. Attends. T'as vu? C'est un goût. T'as vu? Du truc au McDo. Ouais. Au McDo. Et j'ai dit même dans la vidéo je dis ça avait le goût du truc, tu sais le concombre que personne aime dans les hamburgers. Hardcore. Non c'est le cornichon. Ah oui merde. Le cornichon, ouais c'est pareil. Bref, bon. Vous validez tout en fait. Ouais. Allez ça dégage, on veut continuer notre vidéo nous. Oui. C'est vraiment hard la qualité. C'est parti sans tout détruire. Faut que je remette mon coussin moi. Kiss aussi. J'ai montré ma montre parce qu'elle est jolie. Placement de produit. Bon allez. Bon en tout cas comme vous pouvez le voir, on a à peu près le même avis, c'est un peu partagé mais ouais. Ils pensent à peu près comme nous pour tout. Là c'est quoi? C'est les nerds. Bon ça en gros on l'a pris parce que c'était un peu les couleurs de Noël, genre il y a watermelon, cherry et punch. C'est quoi punch? C'est un peu comme les Pop Rocks mais ça pétille pas dans la bouche. Il y a du melon, de la cerise et tout. Oh, j'adore. Et le mélange des trois en plus c'est hyper bon. Moi je survalide. C'est trop bon. Ça j'étais sûre que t'allais aimer. Oh, j'adore ça. T'aimes bien le beurre de cacahuète? J'ai jamais goûté je crois. Donc du coup ça c'est des Reese's. Donc on les a pris en forme de sapin Noël. C'est trop mignon. On s'est fort en beurre de cacahuète. Donc si t'aimes pas tu vas vite le voir si t'aimes. Soit t'aimes bien soit t'aimes pas. Donc on va goûter. Donc déjà sans l'odeur. Tu vas aimer? Ouais, sûr. Franchement, moi je sais que je kiffe parce que j'aime bien le beurre de cacahuète. Beaucoup trop bon. T'aimes bien ou bof? Par contre, après ça cale. C'est ce que je t'ai dit. Hein. Moi je valide, hein, de loin. Non, moi aussi. T'aimes bien? Ouais, je valide. Bon, maintenant. Des. Je sais pas comment on prononce. Hershey's. Voilà. Hershey's. Bref, en gros, c'est du chocolat et c'est le goût. Bah canne à sucre encore et toujours, le goût qu'on adore, bref. Je sais pas du tout si ça va encore avoir le goût de menthe, du coup plutôt le goût des bretzels. Mais en gros à la base les Hershey's, je sais pas trop comment on dit, c'est goût Oreo, mais du coup là non. Ça sent?
Ah oui, ça sent. Non, ça sent. Ça sent le truc que t'aimes pas. Je suis désolée, ça sent le truc que t'aimes pas. Ah. Oui, ça a le goût des Tic Tac. Mais ça a aussi le goût de chocolat blanc. J'aime bien. Crap, tu vois. Ah non, même pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Même moi, j'aime pas trop, j'avoue là. Non, moi, je valide pas. Ah non, non, non. Moi non plus. Ça m'écœure, enfin c'est pas bon. Ensuite, le petit dernier. Le dernier, on est trop contentes. Vous savez, dans toutes les dégustations américaines, il y a toujours une boisson, souvent à la fin. Ouais. Mais nous, on fait pas les choses à moitié, comme c'est Noël, on n'allait pas prendre un petit soda qu'on a déjà tous vu. Donc on a pris un petit chocolat chaud. Un chocolat chaud. Mais pas n'importe lequel, donc c'est trop beau. Alors je connais pas du tout la marque, on sait pas du tout qu'est-ce que ça va donner. Mais avec, il y a des petits chamallows qui sont donnés, donc ça a l'air vraiment juste trop mignon. D'accord, donc en fait c'est vraiment des dosettes quoi. Ouais, ça se présente sous deux petits paquets. Et d'un côté il y a les marshmallows et de l'autre le cacao. Le cacao. Voilà. Donc on va tester ça, on va se faire un petit chocolat chaud de Noël et on vous retrouve juste après. Nous voilà avec nos tasses. C'est chaud bouillon. Donc là on s'est fait deux petites tasses du coup avec du lait chaud. Et donc on va tester les petits packs. T'as pris le cacao, okay. Vas-y, go. Prends-le et on va le mettre dans ma tasse. Il y en a un peu beaucoup. T'as pas besoin de rajouter dessus. Ça a l'air bon, j'aime bien l'odeur. Ouais, c'est vrai que ça sent bon. C'est trop choupinou. Ah, j'ai l'impression qu'ils vont grossir avec la chaleur. Regarde là, ils sont tout petits. Je crois pas. Mais si. Regarde sur le packaging. Ah non, ils sont tout petits. Sur le packaging, ils montraient qu'ils étaient. C'est trop mignon. Regardez les gars, ça fait un petit chocolat chaud de Noël, c'est trop chou. Voilà nos petits chocolats chauds. C'est chaud. C'est hyper bon. Oh punaise. Avec les chamallows. Goûte avec un chamallow. C'est hyper bon. Je suis choquée. Bon, moi je valide de loin, franchement, je crois que c'est un des meilleurs trucs que j'ai goûté, c'est hyper bon. La vidéo est maintenant terminée, on espère vraiment que ça vous a plu, nous on a adoré, ouais, en même temps. Trop bien. On a bouffé, donc c'est un peu ce qu'on aime faire dans la vie. Bref, franchement, on a kiffé. Nos deux trucs préférés, je pense qu'on peut le dire à peu près d'accord commun. Ouais. C'est les Pringles au cheeseburger et franchement le chocolat chaud. Ah ouais, le chocolat chaud. Sérieusement, c'est hyper. En fait, on a commencé par le premier et le dernier, voilà. Les deux. C'est ça. En gros, le premier et le dernier, c'était nos préférés. Voilà, exactement. Si vous voulez revoir Manon dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce en l'air. Des gros pouces bleus. Ouais. Et on vous retrouve du coup, ou je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.